Alors, est-ce qu'on est en live sur ma belle page Facebook? Je crois que oui. 5, 4, 3, 2. Je ne me vois pas encore. Donc, je fais un petit refresh peut-être de ma page. Donc, je vous dis bonjour si je suis en live. Je veux juste m'assurer d'être en live. Oui, là, je viens de voir que je suis en live. Salut, ma belle gang! Bon dimanche, parce qu'on est dimanche au moment de tourner cette vidéo-là. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme exceptionnelle. Regardez mon beau paysage ce matin, moi, à quoi ça ressemble tout ça. Ici, regardez la neige dans les montagnes, comme c'est merveilleux. Mais tout change, parce qu'un jour, cette neige-là va fondre, va se transformer en eau, va s'évaporer dans les airs, elle va retomber en pluie et on va finir par avoir des bourgeons, on va finir par avoir des feuilles, on va finir par avoir de la verdure, de l'abondance partout. Et un jour, ça va partir tout ça et ça va tomber, les feuilles vont tomber. Bref, le changement. Je ne sais pas si vous avez la capacité développée de vous habituer au changement, de vous transformer. Aujourd'hui, dans le live que je vais vous partager, j'invite avec moi trois personnes, trois élèves, trois participants qui ont marché le chemin de Reset. Vous savez, dans les derniers jours, je vais partager deux entrevues. J'en fais sept en ligne, sept entrevues, parce que vous êtes nombreux à avoir rejoint la prochaine aventure Reset qui commence le 9 février prochain et avoir rejoint au début. Et là, on est dans la période pour aider les gens peut-être à mieux comprendre, à mieux dire, est-ce que c'est pour moi Reset? Donc, j'emmène des cas, des gens qui ont marché le terrain, qui ont transformé leur vie, qui ont amélioré leur vie en fait, et je leur permets de venir déposer leur vérité. Vous savez, vous devez comprendre une chose, c'est que je n'ai aucune idée ce qu'ils vont vous partager. Ça aurait été simple avec moi de faire des entrevues avec eux et de couper des bouts qui disaient des bonnes choses sur moi et tout le reste l'enlever, mais je me suis rendu compte que j'enlèverais tout parce qu'ils disent jamais rien de bon sur moi. Hein? Non, c'est des blagues. Ça aurait été facile de faire ça, mais non, j'avais envie d'être dans le flow. Et quand j'ai demandé ça à mes élèves dans mes formations, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de dire, ben moi, j'ai envie de prendre la place. Ce que vous devez comprendre avant que je vous les présente, c'est que les gens qui vont venir avec moi pendant la prochaine heure et dans tous les vidéos des entrevues Reset, en fait, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement l'habitude de faire des lives. C'est des gens qui sortent de leur zone de confort pour être en direct avec vous ici, mais c'est des gens qui ont envie de partager leur vérité pour faire résonner des gens qui sont, je ne sais pas moi, en Suisse, en France, ici au Québec, un petit peu partout dans le monde, et dire c'est possible de changer, c'est possible de transformer notre vie si on tourne le regard vers soi puis on apprend, on réapprend à vivre d'une certaine façon. Alors, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir des personnes pour lesquelles j'ai un énorme respect. Je vous demande d'accueillir José Daigle, Stéphanie Hervé et Guylaine Gagnon. Salut les filles! Salut! Vous allez bien? Oui. Vous n'êtes pas trop nerveuse, hein? Fébrile. Fébrile et c'est OK. C'est juste OK. Donc là, on a Guylaine, que tu es où au Québec, toi, Guylaine? À Thetford Mines. À Thetford Mines, c'est pas de ta faute, Guylaine. C'est pas de ta faute. Et Stéphanie? Stéphanie, toi? Je suis à Bordeaux. À Bordeaux. Nous aussi, les Québécois, Bordeaux, ça fait comme, oh, ça, c'est génial, Bordeaux, hein? Hein, Bordeaux et Thetford Mines, c'est l'équivalent ici au Québec. Stéphanie, si un jour tu viens au Québec, l'équivalent de Bordeaux, c'est Thetford Mines. OK? Et José, on te retrouve où, toi? À Ottawa, À Ontario. Ottawa! À Ottawa! Oh, je savais pas que tu étais de l'autre côté, toi. Tu étais dans l'autre. Mais tu bascules de Gatineau, Ottawa. Vous êtes collés, vous autres, sur la ligne. Donc, merci premièrement, les filles, d'être avec moi sur ce live-là. Merci d'avoir osé prendre cette place-là et dire, ben, je vais partager mon expérience de Reset. Qu'est-ce que je peux avoir marché comme terrain? Et aujourd'hui, je vous le dis, hein, si vous avez suivi l'entrevue 1, l'entrevue 2, on est rendu à l'entrevue 3 sur 7. Aujourd'hui, on a encore des cas exceptionnels, des gens qui ont transformé leur vie, mais dans différentes façons. Et c'est ça que je veux emmener. Et je veux répondre à une question qui revient souvent, parce que c'est la cohorte numéro 6 de Reset qui commence en février prochain. Est-ce qu'on a besoin d'avoir fait la cohorte 1, 2, 3, 4, 5? Non, il n'existe plus ces cohortes-là. C'est même pas possible de s'inscrire aux anciennes cohortes. C'est un peu comme tu ne peux plus aller t'acheter le iPhone 3. Comprenez? Quand tu vas acheter un nouveau iPhone, tu vas acheter le nouveau iPhone. Mais c'est un peu la même chose avec les cohortes Reset. Maintenant, il y a une nouvelle version, dans la nouvelle version de François Lemay, où est-ce que moi, j'ai grandi, je me suis transformé,
Je me suis libéré de plus en plus. Je développe une méthodologie encore plus efficace. Donc, je retourne mon contenu pour pouvoir améliorer. Et là-dedans, mais on a des élèves, des participants qui ont répété des cohortes. Des fois, une, deux fois, des fois, trois fois. Par curiosité, José, Stéphanie et Guylaine, vous avez fait 8-7 combien de fois? José, si on commence avec toi. Moi, j'ai fait 5 fois. 5 8-7, José. Donc, José, tu as tout fait les 8-7. Donc, Stéphanie, toi? Et 7, 4 et 5. 4 et 5. Et Guylaine? 1, 2, 4 et 5. 1, 2, 4 et 5. Donc là, je me mets à la place des gens qui sont en train de nous écouter en disant « Mais c'est quoi cette affaire-là? » Hein, c'est quoi cette affaire-là? C'est une secte, ça, cette affaire-là. Il faut toujours payer et être dans ces resets-là. Pourquoi? Pourquoi que vous reprenez reset, en fait? C'est quoi la raison de reprendre reset? Pourtant, vous avez le contenu à vie. Pourquoi vous reprenez reset? Est-ce quelqu'un qui veut partager? Et là, vous prenez votre place. Vous n'avez pas peur de vous couper. Mais moi, ce serait pour plus intégrer, puis répéter. Souvent, les enseignements... on les comprend, mais on comprend d'autres choses. Ouais. Écoute, puis réécoute. Puis pour ma part, c'est juste d'intégrer, puis continuer à intégrer, puis continuer à marcher le terrain. Oui, c'est ça. Parce que des fois, on l'entend une fois, puis si on continue la formation, on ne vient pas répéter. Et de temps en temps, c'est répété, mais avec différentes histoires, différentes analogies qui nous permettent d'intégrer. Toi, Guylaine, qu'est-ce qui fait que tu reprends, tu as fait 4, 8, 7, là? C'est un peu comme José aussi, pour aller chercher les enseignements plus en profondeur, mieux les intégrer dans ma vie. Et aussi, il y a le côté de la communauté qui est très fort. D'être comme ça ensemble, là, c'est un plus, un gros plus. Ouais. Que quand tu retournes tout seul dans ton coin, ben des fois, on se perd un petit peu. Donc, de répéter, c'est un gros plus. Exact. Donc, la de répéter encore une fois, répéter. Vous savez, c'est le genre d'enseignement qui... C'est un peu comme la cuisine. Tu vas regarder quelqu'un faire une recette. Hein? Tu vas le regarder au début faire une recette. Tu vas regarder un livre. Mais pour qu'elle devienne bonne, puis que tu l'ailles intégrée, puis que ça devienne une seconde nature. Mais plus que tu vas répéter, plus que tu vas venir comprendre. Et là, on s'entend que c'est pas la mathématique, c'est pas le français. C'est un art de vivre. Où est-ce qu'on a des schémas, des conditionnements, on a à purifier, à libérer, on a à interagir avec les autres. Donc, et en plus, tu as mis le doigt dessus aussi, Guylaine, c'est qu'il y a une communauté-là qui nous permet de se soutenir et de s'élever. Et ça a beaucoup de valeur. Stéphanie, toi, qu'est-ce qui fait que tu répètes et répètes? Ben, comme Guylaine et José, il y a effectivement cette intégration. Mais il y a aussi qu'on évolue avec toi parce que d'un reset à l'autre, en fait, tu évolues tellement toi que les enseignements ne sont plus tout à fait les mêmes. Ouais. Et du coup, c'est une nouvelle recette quoi, à chaque fois. Oui, c'est ça, exact. Nouvelle recette, recette, R-E-S-E-T, un nouveau reset à chaque fois. Alors, ben, merci premièrement d'être là. Merci de... Vous savez, moi, à chaque fois, on a la nouvelle cohorte 6 qui va commencer et on a beaucoup d'anciens qui sont là aussi. Et ça devient génial. J'ai compris ça avec les années, en fait. C'est que c'est pas quelque chose de pyramidal qu'on doit développer. C'est un écosystème fertile où est-ce qu'il va y avoir différents engrais. Je pense, moi, quand j'enseigne souvent en termes de avec la nature et je pense beaucoup à un jardin. Vous allez voir si vous me suivez dans mes enseignements. Puis si un jour je tombe sur l'image d'un jardin, je peux partir pendant 2 heures enseigner avec un jardin, mais je vous garantis que vous n'allez plus jamais voir un jardin de la même façon. Mais un jardin, une communauté, un jardin, c'est un peu la même chose. Puis aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que j'ai des anciens étudiants qui reviennent et que là, qui comprennent, moi j'appelle ça des bébés reset, mes bébés, quand ils ont été un bébé reset, quand ils ont rentré dans cet écosystème-là, et là, ça vient se soutenir, ça vient s'entraider, ça vient s'aider à se débloquer. C'est génial. Il y a tellement d'amour et de bienveillance sur ce groupe-là. C'est pas une affaire juste de François et de son équipe. C'est François, tu as son équipe, tu as les anciens qui sont là, tu as les bébés reset, qui un jour les bébés deviennent des anciens. C'est génial. On est en train de créer une communauté qui change le monde, littéralement. C'est ce qui me drive le plus. Alors, à quoi que quelqu'un peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qui a changé pour vous du jour où est-ce que vous êtes entré dans l'univers de Reset et de François Lemay? José, tu veux-tu y aller? Oui. J'ai retrouvé la joie de vivre. Ouais.
j'aimerais mentionner un peu comment l'ancienne version de José était. J'étais beaucoup dans la noirceur. Je vivais de dépression à dépression. Ouais. J'ai eu un diagnostic aussi de bipolarité. Ouais. Puis j'ai été pris des médicaments beaucoup. Je prenais beaucoup de médicaments. Ouais. Aujourd'hui, c'est comme si que j'étais dans une carapace. Puis je ne voulais pas sortir. J'étais pris dans l'isolement. Je ne voulais pas sortir de sa carapace-là pour me faire blesser, en d'autres mots. Oui, c'est ça. J'ai fait Reset, puis mon cœur a ouvert à Reset. J'ai fait « Wow! » Je veux découvrir la vie. Je veux vivre. Je veux vivre des expériences. Je veux faire face à mes peurs. J'étais tellement dans l'émerveillement. Puis moi, Reset, là, c'est d'avoir retrouvé ma lumière en dedans de moi-même, là. C'est juste, wow, puis j'en reviens pas, j'en parle, là, puis j'en parle avec beaucoup d'émotion. Ouais. Parce que, c'est tellement beau, je trouve ça tellement beau. Et vous devez comprendre que José est là depuis le tout début, en fait. Je viens de le réaliser. José, tu avais commencé au premier. Donc, tout le monde connaît José. Et sérieusement, tout le monde dans l'univers de Reset. Et on a probablement des gens ici qui sont en train de commenter avec nous sur les réseaux sociaux qui sont dans notre grande famille de Reset ou Ubuntu. Tout le monde connaît José et tout le monde a vu José se transformer, mais littéralement se transformer. Et José, jamais tu aurais fait un live comme ça sur ma page, hein, dans le passé. Aurais-tu été capable de faire ça, tu crois? C'est vraiment un dépassement, mais c'est comme... Il y a des choses qui viennent vers moi, c'est comme... C'est wow! C'est juste wow! C'est la magie de la vie, puis... Regarde, comme présentement, je te parle, ça va bien. Ouais. Et je te connais assez pour savoir que ça va bien, il y avait un stress juste avant, mais tu te maîtrises et te gères dans le stress. C'est ça la différence. Hein? C'est comme la Josée qu'elle était, elle est encore, c'est juste qu'elle est plus en maîtrise de elle. Elle arrive à se calmer, à ne pas faire trop d'exposition, à ne pas trop se prendre au sérieux, à ne pas faire des attaques, des crises de panique et tout ça, et à se calmer. Dire c'est OK, José, fais confiance et tu t'es littéralement transformé. Qu'est-ce qui a changé pour toi concrètement dans l'aventure? Je me rappelle le premier vidéo que tu as fait. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, José, du premier vidéo que tu as fait. Tu t'étais tellement sorti de ta zone de confort dans le groupe, tu avais fait un vidéo. Tu étais tellement sorti de ta zone de confort, puis après ça, tu t'es mis à en faire un autre, puis d'en faire un autre. Puis de temps en temps, en contraction, en expansion, en prise de conscience. De commencer à être fier de toi, à t'aimer davantage, à le partager aux gens. C'est quoi des points forts que tu as vus se transformer à l'intérieur de toi? Ben moi, je regarde surtout au point de vue de l'isolement, ouais. Au point de vue de mes hauts et mes bas que je vis moins intense aujourd'hui parce que j'ai appris à quelque chose que tu nous enseignes beaucoup, c'est d'accueillir ce qu'on fait comme expérience. Oui. Ça a tellement, je vis tellement plus intense mes hauts et mes bas. C'est sûr, on vit toujours des contractions puis des expansions, puis c'est pour le restant de nos jours. Mais tu nous apportes des outils qui nous aident à maîtriser ça. Puis moi, ça m'a aidé beaucoup au point de vue de ça. À un moment donné, j'avais arrêté de conduire ma voiture. Bien, je la conduis aujourd'hui. Wow! Au Nouveau-Brunswick! Wow! Du Québec, de Ottawa au Nouveau-Brunswick! Wow! T'es donc bien hot! Oui! Ça fait que je fais toutes des choses pour sortir de ma zone de confort que je faisais pas avant. Puis ça me fait juste vivre, en d'autres mots. Ouais. Est-ce que, José, tu te sens plus allumé dans ton regard, dans ta façon de percevoir les choses, de ressentir les choses qu'avant?
Oui, je me sens plus allumée, puis j'ai aussi diminué 3 médicaments. Wow. Ça fait que ça m'aide beaucoup. J'apprends mon anxiété, j'en vis encore. Ouais. Puis, mais ça a diminué beaucoup. Puis c'est ça, j'ai appris à me ramener, ouais, à mettre du calme dans ma machine. Ouais. C'est vraiment reset. Moi, je dis toujours, ça m'a sauvé la vie. Ouais. Et t'es tellement inspirante, là, t'sais, quand je parle de jardin, mais t'es un élément essentiel dans le jardin de Reset, en fait, parce que, my God, te voir venir au bootcamp aussi, José, hein? T'es venu au bootcamp, je me trompe-tu, ou t'es venu au bootcamp seul, même, des fois? Oui, il y a une fois que je l'ai fait tout seul, je m'avais loué une chambre tout seul. C'était une sortie de zone, surtout pour moi, parce que fallait tout le temps que j'aie quelqu'un avec moi, là, tu sais. Puis ouais, surtout dans une place publique, seule, ben, c'est pas tout le temps évident, là. Ça fait que... Et ça... aujourd'hui, José, c'est plus seul parce que je te vois dans... Tu t'es créé plein d'amis Reset, vous faites des dîners, des soupers Reset. Tu vas venir au prochain bootcamp probablement avec des amis, hein. Il y a des amis autour de tout ça. Ben oui, j'ai commencé à créer un groupe de Gatineau, de pleine conscience. On est plusieurs là-dedans. Puis c'est tout moi qui a pensé à tout ça. Puis je suis fière de moi parce que j'ai dit, waouh, tu sais, je contribue, tu sais. Je contribue vraiment, ça fait que... Mais tellement, t'as des raisons d'être fière de toi. Dis-moi, je me rappelle que tu sais, t'as diminué la médication... Et bien souvent, dans mon discours, c'est pas de dire on doit tout enlever la médication, on doit apprendre à s'apprivoiser, apprendre à se guérir, à se libérer et se faire accompagner. Ton médecin doit l'avoir vu que tu as changé, José. Oui, il a vu que... Puis ça, c'est un point que je veux vraiment en parler aussi. C'est quand on arrête des médicaments, c'est de se faire accompagner par notre médecin aussi. C'est important. Vraiment. Parce que, c'est vraiment... c'est important. Puis, mon médecin m'a accompagnée dans tout ça. Puis, est très fière de moi. Pour les petites choses aussi que je fais, que je conduis mon auto à cette heure, que je suis rendue plus autonome. Ma soeur faisait mon épicerie. Ça fait que c'est moi à cette heure qui va faire mon épicerie. C'est toutes des petites choses, wow, que je trouve que c'est important dans les petites... Ça m'a aidé au quotidien de ma vie. Ben oui. Donc, imaginez, José ne conduisait pas. Sa sœur allait faire son épicerie. Elle avait beaucoup de peur au travers de tout ça. Jamais elle aurait pensé qu'elle ferait un live comme elle est en train de faire présentement. Aujourd'hui, elle conduit sa voiture. Elle a diminué sa médication. Elle a de la lumière dans les yeux. Elle n'est plus dans l'isolement. Elle a des amis autour d'elle. Elle continue de marcher, par contre, de se libérer. Oui. De se calmer, de se maîtriser. Et c'est pour ça qu'elle répète, elle répète, elle répète au travers de tout ça. Les gens autour de toi, José, ils doivent être fiers de voir ta façon de te transformer, hein? Ils sont très fiers. Ils voient la différence dans mon isolement, surtout. Ouais. Parce que des réunions de famille, j'y allais pas. J'ai été 3 ans là, que j'allais pas à des réunions de famille. Puis aujourd'hui, je sors toute rayonnante. Puis je vais dans des réunions de famille. Puis... c'est ça, c'est juste... mais je continue à marcher le chemin, je ne suis pas parvenue, puis c'est un pas à la fois, puis ouais, une prise de conscience à la fois, puis on a du plaisir dans tout ça aussi. Ouais. Tu sais, je t'entends, José, ça me fait tellement plaisir là, de t'entendre, hein, parce que l'essence du message que j'ai envie de partager, tu l'incarnes. C'est-à-dire, on n'est pas arrivé, on ne sera pas arrivé, on n'a pas cherché à être arrivé, on marche, on se libère de plus en plus, on apprend, on vient intégrer et non comprendre. Je fais une formation et à la fin de la formation, je suis guéri à jamais, j'ai fait la formation. Mais la vie, ce n'est pas ça. La vie est ce process, hein, d'amélioration, d'intégration, d'une meilleure compréhension, de libérer nos blessures. Quelles étaient tes blessures, José, que tu as mis? Je n'ai pas besoin que tu me les dises en profondeur, mais tu as probablement éveillé sur tes blessures qui avaient un impact majeur sur toi. Dernièrement, après 5 resets,
Puis, croirais-tu que j'ai découvert une autre blessure que j'avais? Puis ça, c'était l'injustice. Et tu ne la voyais pas avant, toi, là, l'injustice? Je ne la voyais pas du tout avant. Tu vois, donc, José a fait plusieurs resets, qu'elle a libéré plein de choses, mais à un moment donné, plus qu'on purifie, c'est comme des pleurs d'oignons, plus qu'on purifie, plus qu'on arrive à d'autres sankaras, d'autres vérités, on dit, oh my God, je pensais pas que je portais ça. Versus quelqu'un qui pense qu'il est parvenu, je l'ai déjà travaillé avec mon psy, ça je l'ai déjà fait, et là, tu es cuit dans ton ego parce que tu penses que tu n'as plus rien à libérer. Non, it's a process. Donc, tu t'es rendu compte que tu avais de l'injustice? Puis j'ai l'humiliation aussi. Le rejet, fort. Good. Étais-tu moins réactif que tu l'étais avant? Ah oui, François, tellement moins réactif. Ça prend moins de temps à me ramener aussi, parce que je vais réagir encore. C'est juste que je me ramène. Ouais. Puis je suis moins longtemps dans... Si je vis de la peine ou de la tristesse, je suis moins longtemps dans la tristesse. Là. Ouais. Parce que là, tu es rendu que tu t'observes. Hein? Je l'ai-tu mal au pissé? Je ne pense pas encore une fois. Tu es rendu que tu t'observes et tu sais que si tu réagis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est réactivé à l'intérieur de toi, qui t'appartient ou que tu es responsable. Tu apprends à te calmer, mais ça doit être arrivé quelquefois puisque tu portes le rejet d'avoir tendance à te rejeter toi-même. Oui. Ça m'arrive, oui. Puis à fuir aussi. C'est un de mes patterns beaucoup que j'ai envie de fuir souvent. Puis, c'est ça. En tout cas, tu nous rends fiers, José. Puis, il y a plein de gens qui disent sur le web, j'ai des frissons. Bravo, José. On t'aime, José. Tu brilles dans ta lumière. T'es comme... en fait, José, tu me voles la vedette, c'est clair. C'est simple, tu me voles la vedette. C'est ça que tu es en train de faire. T'es vraiment hot. Puis, il faut comprendre que José, les premières fois qu'elle venait me voir dans une conférence, tu es toujours parfait, elle venait me voir, puis tu sortais juste à venir me voir à la table des dédicaces, hein, tu sortais de ta zone de confort énorme. Oui. Et là, tu fais une vidéo devant des milliers de personnes, José, c'est tellement exceptionnel. Sans savoir, je t'ai même pas encadré pour te dire, on va parler de ça, sans rien, dans le flow avec François. Donc ça veut dire que... Il y a quelque chose qui est là à l'intérieur de toi dans lequel tu fais un acte de foi pour te transformer, pour te libérer. Honnêtement, t'es hot. Puis j'adore partager. Tu sais que c'est une de mes valeurs. Le partage, c'est tellement important pour moi. Ça me fait vibrer. Ça m'emmène des étoiles dans les yeux. Puis je te remercie beaucoup de m'avoir donné la chance de partager mon histoire. Je te remercie beaucoup. Écoute, ça me fait plaisir. Puis tu iras voir les commentaires après, tu vas voir les gens, ils t'aiment. Puis j'ai juste allumé aujourd'hui, José, depuis Reset 1 que tu me suis, que tu es là dans Reset 1, tu as ta place. Puis aujourd'hui, tu es dans Ubuntu, tu es une perle. Je suis vraiment content que tu sois là avec nous. Puis bravo pour tout ce que tu peux avoir fait. On est fiers de toi, mon ami. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On y va avec qui? Stéphanie, Guylaine, qui a envie de partager? Qui a un souffle qui a, durant José, là, qui avait envie de dire « Hey, peut-être qu'on pourrait souffler là-dessus? » Moi, je veux bien, ouais. Vas-y, Stéphanie, voir. Comment vas-tu, Stéphanie? Très bien. Oui? Je voulais remercier José et la féliciter. Elle m'a touchée plus profond et je te trouve belle. Voilà, donc merci pour qui tu es. Tout ce que tu amènes à la communauté. Merci pour ton partage. Dis-moi, toi, Stéphanie, tu es rentrée dans Reset 4-5, si je ne me trompe pas? Oui, Reset 4, donc c'était en 2019. En 2019, au début, hein, ça fait un an en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. En février 2019, effectivement. Ouais. Et puis, tu es déjà quelqu'un qui travaille dans le domaine, hein? Tu accompagnes des gens, toi, tu formes des gens aussi. Et c'est quoi l'avantage d'avoir joint Reset puis cette famille-là si tu travailles déjà dans ce domaine-là? Oui. Ben, c'est vrai que, oui, ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse au développement personnel pour moi et puis dans mon métier de thérapeute. Mais ce que tu m'as amené avec Reset, c'est une intégration. Parce que j'étais de ceux qui savaient, hein, j'avais cette boulimie de connaissances, de formations, j'avais 3-4 livres sur ma table de nuit en même temps,
et je faisais 3-4 formations par an. J'avais vraiment soif de connaissances, mais du coup, cette notion aussi qu'il me manquait toujours quelque chose et que j'aiderais mieux les autres si j'avais encore telle ou telle formation. Et toi, tu m'as permis avec Risette d'intégrer ces connaissances et de libérer en profondeur. Voilà. Donc, aujourd'hui, je peux manifester une vie qui a plus de sens. J'ose en fait vraiment poser des actes de foi, mais c'est parce qu'il y a eu cette intégration de ces enseignements, de tes enseignements, et une libération. Là, pendant un an, c'est fou ce que j'ai pu libérer. Ouais. Et ça me permet d'être moins en réaction, quoi. Ouais, ça te permet d'être toi-même dans ta lumière parce que tu es ouais. pleine de lumière, tu as aidé énormément de personnes au travers de tout ça. Et vous savez, quand que je dis bien souvent, mais suivez ce qui est là à l'intérieur de toi, de vous. Exemple, dans le lancement de Reset, je ne dis pas venez chercher de la nouvelle connaissance dans Reset, embarquer dans la famille de Reset, je vais vous donner de la nouvelle connaissance parce qu'à ce moment-là, si vous venez par peur de manquer quelque chose, vous venez juste nourrir votre mental. Mais si vous suivez ce souffle de vie-là, vous allez venir chercher ce que vous avez de besoin. Je sais très bien que Stéphanie, tu es rentrée dans mon univers parce que c'est ce que tu as suivi. Hein, ce que tu reconnais en moi, je le sais que tu l'as en toi. Est-ce que c'est ce que tu vois régulièrement aussi? C'est clair. Je pense que tu vibres comme moi et du coup, quand tu as parlé de Reset 4, j'ai senti mon cœur bondi et je me suis dit, mais il faut que j'y aille, quoi. Il faut que je sois avec François, avec sa communauté. Ce n'était pas forcément pour des connaissances. Ouais, c'était vraiment, je sentais que mon intuition m'envoyait vers toi. Ouais. Et tu as décidé de suivre cette intuition-là. Ouais. Et tu l'as fait en couple en plus au tout début. Oui, au tout début 7... avec Yann. Avec ouais. Yann, 8-7-4 et 8-7-5. Vous avez fait le reset en couple, donc ça doit vous avoir fait travailler aussi de faire ce reset-là en couple. Ouais. Énormément. On a libéré beaucoup de choses et ça nous a mis beaucoup en réaction. Mais notre couple nous mettait en réaction, mais là, on avait les outils pour aller libérer, pour aller voir la source de ce qui nous mettait en réaction, nos blessures. Moi, j'ai découvert de nouvelles blessures, en fait. J'avais fait justement un atelier avec Lise Bourbeau. Ouais, ben oui. Son livre, tout ça. Et pour moi, j'avais l'abandon, il me semble, voilà, bien marqué. Et en fait, j'ai découvert avec toi et le processus de libération avec les patates qu'en fait, j'avais les 5 blessures. Voilà, plus ou moins marquées, mais les 5 étaient là. Et c'est vrai que dans le couple, c'est un terrain idéal pour aller toucher ces blessures, quoi. Effectivement, parce que le couple, souvent, notre conjointe, notre amoureux, notre amoureuse va nous faire réagir. Hein, justement, on va appeler ça un ange déguisé en trou du cul, hein, qui fait oh! qui vient souffler sur la braise qui est à l'intérieur, finalement. Et tout a sa raison d'être. On est là pour grandir ensemble, on est là pour se libérer ensemble. Et de temps en temps, mais ça peut être une partie d'une vie. Puis après ça, on était là juste pour se nettoyer d'une certaine façon. Et les blessures, en fait, ce qu'on doit comprendre par rapport aux blessures, parce que Stéphanie l'a dit avec les patates. Donc, si je prends la personne qui ne connaît pas rien de François Lemay puis qui vient de rentrer dans l'univers de François Lemay par le webinaire « Prends ta vie en main », qui ne connaissait pas François, puis qui entend Stéphanie dire « Avec les patates », ils ne comprennent pas. Il y a un processus particulier que je fais, pour lequel j'ai été inspiré. C'est qu'on prend des patates pour chaque blessure, pour chaque résistance non pardonnée. Donc, le processus que j'enseigne dans le Reset, dans les différents enseignements que je partage, c'est que je n'ai pas besoin de savoir votre passé. Et ça, c'est un gros plus. Je n'ai pas besoin de savoir exactement ce qui s'est passé et tout ça. Je vous enseigne à être votre propre coach, à venir extraire les impuretés de votre esprit, un pas à la fois, une couche à la fois, une meilleure compréhension de vous-même. Et j'utilise des patates sur lesquelles on va écrire certaines choses sur les patates, sur lesquelles on va faire une reprogrammation plus tard dans le cheminement. Donc, c'est une partie qui est aussi drôle, mais qui vient ramener à notre conscient tout le poids qu'on peut porter dans notre passé. Et ce que l'on doit comprendre, parce qu'il y a quelqu'un qui écrit ici, si on focus sur les blessures, on en trouve de plus en plus. Ce sur quoi on met notre attention prend de l'expansion et c'est tellement vrai. Le cheminement qu'on veut apporter, c'est de comprendre que les blessures, ce n'est pas de mauvais. Les blessures, ce n'est pas on est brisé. Les blessures, ce sont des portes de reconnexion avec notre vérité.
C'est vraiment important de le comprendre. Et si on ne va pas jouer dans l'espace des blessures, on les porte dans notre énergie et on se met à réattirer des circonstances, des situations, des synchronicités, hein, des relations qui nous font vivre de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation et de l'injustice. Donc, moi, une de mes grandes compréhensions dans la vie a été celle des blessures et mixée avec ce que j'avais appris sur les blessures et Vipassana, l'observation juste, de venir accueillir, de venir visiter ces zones d'ombre-là sans y réagir. Et ça, c'est un art, là, on l'apprend en cours de route, et venir extraire. Donc, Stéphanie, tu es venue te rendre compte que tu avais plusieurs blessures, mais lesquelles étaient assez fortes, là, que tu as eu besoin de travailler dans les derniers temps, mettons, dans la dernière année sur toi, là? L'injustice et le rejet. L'injustice et le rejet. Donc, c'est ces deux blessures-là que, Stéphanie, tu as besoin de peut-être davantage de vigilance. Parce que quand quand on soufflait pour toi sur ces blessures-là, quels étaient les schémas que tu enclenchais tout de suite après? La fuite. Ouais. Et la rigidité, le vouloir contrôler. Good. Good. Vous savez, ma belle gang qui sont là quand que je pose des questions comme ça, c'est que vous allez peut-être vous reconnaître en Stéphanie, en José, tout à l'heure en Guylaine. C'est de dire, ben moi, j'ai toutes ces blessures-là, mais le rejet et l'injustice sont forts. Et quand je suis touché par ça, je fuis ou je tombe encore plus contrôlante. C'est un peu ça ce que tu disais, Stéphanie. Tu cherches à contrôler, à trouver les responsables. Puis ça ne doit pas être de ta faute un peu, hein, quand dans l'ancienne version de Stéphanie. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Stéphanie, est-ce que tu es d'accord avec le fait du principe de responsabilité aujourd'hui, toi? Complètement. On est responsable de tout ce qui se passe dans notre vie. Même si c'est dur à accepter, mais tout ce qui se passe, ouais. Oui, oui. Ouais. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager? Que tu as eu à libérer, qui a peut-être pas nécessairement été facile, mais qu'aujourd'hui, tu es arrivé à faire la paix avec ça? Oui, je veux bien partager ça avec vous parce que ça a été une grosse, grosse prise de conscience. Et je l'ai partagé au dernier bootcamp, d'ailleurs, devant 250 personnes, et ça a eu son impact. Donc, je vais le repartager aujourd'hui. En fait, moi, j'ai perdu mon fils à la naissance, Gabriel, et j'ai découvert au dernier bootcamp, en fait, que j'étais en colère, que j'en voulais à Dieu, à la vie, de m'avoir pris mon fils. Voilà, donc c'était une grosse blessure, mais que dont j'avais pas du tout conscience. Et j'ai pu libérer ça. Donc, ça a été une ouverture juste incroyable, une libération incroyable. Ouais. Parce que je suis de nouveau dans cette foi connectée à la vie. Et du coup, je sens cette vie qui circule en moi, cette foi. Et je pose des actes de foi. Aujourd'hui, je suis capable de dire que j'ai le privilège d'être la maman d'un ange. Ah, c'est beau ça comme recadrage. Et que voilà, cet ange, il est venu dans ma vie, pas par hasard, que ça avait sa raison d'être et que ça a transformé ma vie. Donc, je le remercie. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai créé une association, l'association Gabriel, qui soutient des orphelins. Donc, tout ça a du sens. Et d'avoir libéré cette grosse patate, cette grosse blessure au bootcamp, c'était juste énorme. J'étais en colère. Après la vie, après Dieu. C'est, ouais. Et en plus, ça l'a donné dans une partie où est-ce que moi, je parlais beaucoup de Dieu, hein, à un moment donné, de vérité, de lumière et toutes ces choses-là. Et que Stéphanie, elle était déjà là. Hein? C'est juste qu'il y avait, quelque chose qui n'était pas solutionné. Et là, ça l'emmenait probablement à ce moment-là, Stéphanie, dans l'injustice. Hein, peut-être dans... C'était quoi la blessure? Ça devait être l'injustice qui était activée très fort, toi. L'injustice, oui. Ouais. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? T'es tellement une bonne personne. Je suis tellement une bonne personne. Pourquoi moi? Pourquoi ça s'est passé? Et quand à chaque fois que tu étais là-dedans, mais tu dans tes blessures, dans tes souffrances, et là, c'est difficile d'en sortir. Et est-ce que la... Oui, Reset, oui, François, mais est-ce que la famille, la communauté t'a aidé à te déposer, à purifier tout ça, Stéphanie?
tellement, tellement. C'est, ouais, c'est pour moi une famille de cœur. Et on marche le terrain ensemble, on se libère ensemble. Et je me suis sentie vraiment portée par cette belle famille, par toi, par la famille Ubuntu. Et ça a été juste énorme, quoi. Et aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup d'amis dans cette communauté, des amis de cœur. C'est énorme ouais. que ça amène. De pouvoir se déposer dans sa vérité, dans sa vulnérabilité, ça n'a pas de prix. Exactement. Ça n'a pas de prix. Là. Tu t'entoures d'amis qui vibrent au même diapason, qui se libèrent, qui prennent conscience de quelque chose qu'ils portaient, puis disent « Oh my God, je n'avais pas vu ça », et qui se soutiennent. C'est le jardin, hein? c'est les micronutriments pour nous permettre de pousser et d'être dans notre abondance, notre pleine expression. C'est comme ça que je le vois. Les gens d'une communauté, c'est des micronutriments dans cette terre-là. Le jardin, le groupe, c'est « Reset ». Et le tuteur, c'est François. Et nous, on est le plan qui grandit de sa pleine expression, s'il laisse la vie faire son œuvre et qui va être dans l'abondance avec ses tomates, avec tout ça. Tout est là, il ne manque absolument rien. Il faut juste se mettre dans le bon environnement pour pouvoir grandir et pousser. Stéphanie, tu fais quoi de ton quotidien, toi, avec tous ces enseignements-là? Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais ça que tu nous partages qu'est-ce que tu fais dans ton travail, mais aussi, tu as des projets exceptionnels qui sont là pour toi. Ben, j'ai décidé de changer de vie, donc je continue mon métier de thérapeute, mais je vais le faire maintenant à distance puisque je pars m'installer au Vietnam pour m'occuper pleinement des enfants, des orphelins, et avec l'idée, en tout cas l'intention de créer une maison du bonheur pour eux avec un centre de retraite méditative à côté pour que l'un nourrisse l'autre et inversement. Et donc, j'ai posé cet acte de foi de quitter mon appartement, mon cabinet avec mes patients et de partir sur place, voilà, pour pleinement écouter mon cœur et cet élan du cœur. Donc, avez-vous idée, là? Écoutez, là. Elle a sa vie à Bordeaux avec ses amis, ses clients, son conjoint, son amoureux, ses parents, tout le monde qui tourne autour d'elle. Et elle a appris, elle a continué à se libérer et à un moment donné, elle a envie de suivre le souffle de vie, la vie qui pousse à l'intérieur d'elle. Stéphanie a besoin à ce moment-là de faire un acte de foi dans cette vérité-là parce que si elle ne fait pas l'acte de foi, elle s'éteint. Et elle se connaît tellement qu'elle décide de s'en aller dans cette direction-là, même si c'est rempli de peur parce que Stéphanie doit avoir des peurs. Bien sûr. Hein? Et elle décide de s'en aller au Vietnam pour contribuer, pour aider ces enfants-là, cette communauté-là. Et elle va organiser des retraites, c'est ça? Tu vas organiser des retraites? Où est-ce que des gens comme toi, comme moi, comme notre communauté, qui vont aller en voyage avec Stéphanie, qui va aller rejoindre Stéphanie au Vietnam, qui va contribuer aux petits-enfants? Je suis parce que nous sommes, on est tous interreliés. La seule chose qu'on doit faire, c'est suivre la vie qui pousse à l'intérieur de nous. Et Stéphanie, tu es un modèle exceptionnel. Moi, honnêtement, je te l'ai dit la dernière fois quand on a fait un partage ensemble, mais tu m'inspires énormément, toi aussi, parce que tu suis le souffle et je sais que c'est rempli de peur. Mais si on avait la potentialité de peser sur fast forward hein, pour avancer, on verrait que bientôt, tu vas accueillir plein de gens de Reset, de ta communauté, de Ubuntu, d'un peu partout, qui vont dire, mais moi, je m'en vais voir Stéphanie au Vietnam. Là, que les gens vont prendre des photos en disant, hey, regarde, un jour, on s'est vu sur le web. Et là, tu vas te réaliser pleinement, puis en plus, on va contribuer. C'est tellement génial, tout ce qui se passe. Mm-hmm. Moi, c'est clair, et moi, Nathalie, quand tu vas faire ça, c'est sûr qu'on va aller te voir. C'est sûr, on se l'est dit, on veut aller voir. Et notre intention, moi et Nathalie, en 2020, c'est beaucoup ça. On a beaucoup de succès dans tout ce que l'on fait. Maintenant, on a envie d'aider les gens qui sont autour de nous à manifester leurs projets, leurs rêves, à contribuer, à grandir cette systémique-là d'éveil de conscience, de libération, de guérison. Tu es très inspirante, mon ami. Merci. Ben merci. C'est grâce à toi que j'ai pu faire sauter ces cadenas, péter les cadenas, sortir de mes peurs, même s'il en reste. J'en ai beaucoup moins. Et puis, je suis dans ce flot, en fait. Et j'ai confiance en la vie, en plus grand. Et du coup, dans la balance, c'est clair que voilà, mon élan du cœur l'emporte sur mes peurs et mes doutes. Ouais, ouais c'est ça. Et tu es aussi consciente que ça fait partie du processus.
au lieu de dire « je dois être arrivé à seulement suivre mon cœur, il n'y aura pas de peur », ça se peut pas. Non. Comme c'est un processus de purification, t'en aller au Vietnam, et après ça, démarrer quelque chose va être un processus de purification et de libération, toujours. Et quand on comprend ça, ça change une vie. Ça m'a demandé de me détacher du matériel. Mais c'est vrai. Et je continue ce processus de détachement qui avait commencé avec Gabriel. C'est sûr que quel plus gros détachement que la mort de son fils. Mais là, voilà, c'est encore des couches d'être dans cette confiance que je vais avoir l'abondance et que oui, je peux lâcher ma clientèle, je peux lâcher mon appartement, je pars juste avec un sac à dos. Donc, mais tout ça, ça me fait travailler, ça me permet de libérer encore. Ouais. Oui, parce qu'en fait, tu as aussi les amis que tu vas quitter et que tu vas temporairement, tu vas avoir une perception d'isolement en disant est-ce que la pensée te vient de temps en temps en te disant est-ce que je suis en train de vivre folle? C'est clair, j'ai eu quelques nuits blanches en me disant mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Voilà, ta vie ici, t'es bien, c'est quoi? Je pense que c'était le petit humain qui prenait le dessus, hein, mon mental, et qui disait t'as une sécurité quelque part, qu'est-ce que tu vas faire à prendre des risques comme ça? Et en même temps, s'il faut que tu reviennes après 3 mois, tu reviens après 3 mois. S'il faut que tu reviennes après 3 ans ou 7 ans, tu reviens après 7 ans. Il n'y en a pas d'erreur. Tu vas avoir suivi ça, tu vas avoir été grandi, te libéré. Il n'y en a pas d'erreur. Maintenant, est-ce que je peux juste suivre tout simplement ça? Et en faisant ça, mais tu fais probablement grandir papa, maman aussi. Tu fais probablement grandir des gens autour de toi et tu sers de modèle. Donc, en suivant ton flow à toi, tu permets à ton écosystème, les gens qui sont autour de toi, de se transformer, de se libérer. Complètement. Stéphanie, j'aimerais ça, si les gens veulent en savoir plus sur la Fondation Gabriel, comment qu'on peut faire pour aller voir qu'est-ce que tu proposes? Il y a déjà une page Facebook qui s'appelle Association Gabriel. Good. Et puis après, sur mon site internet, stéphaniehervé.com, voilà, génial. Y a les voyages, j'organise des voyages initiatiques et humanitaires, là, dès avril, mai, août, voilà, qui commencent à se remplir. Et puis après, pour la Maison du Bonheur, il faudra encore un peu de temps. Hein, et voilà. Et tu vas appeler ça la Maison du Bonheur? Oui. J'adore. Et dernier point, je sais que tu sors de ta zone de confort aussi au début du mois prochain, toi, là, ou à la fin du mois? La fin, le 31 janvier. Le 31 janvier, elle a loué une salle de conférence. Où est-ce que je suis allée à Bordeaux en plus? Et tu offres ta conférence? Voilà. Et un acte de foi parce que j'ai fait quelques conférences, mais devant 20, 30 personnes. Ouais. Et là, donc 150 personnes. Et puis avant mon départ, ben, j'ai envie de montrer tel que je suis dans une conférence qui s'appelle Accueil, Aime, Ose. Pour montrer les trois piliers à la façon un peu de Mange, Prie, Aime. Ben, c'est ça, Accueil, Aime, Ose. Et je parlerai de mon histoire, de ma transformation. Je donnerai des clés qui sont aussi tes enseignements, hein, ça c'est clair. Et c'est OK. Et puis, je parlerai bien sûr de l'association Gabriel, du futur projet, de tout ça. Ouais. Génial. Je te souhaite le plus beau des voyages au travers de tout ça. Et je te donne une mission, Stéphanie, c'est quand notre live va être terminé, viens sur ma page Facebook et viens coller tes liens dans les commentaires, en fait. Vous savez, c'est comme, moi, je ne vois pas ça d'une question de compétition. C'est fini, ce temps-là. Est-ce que j'ai déjà été comme ça? Ah, c'est sûr que oui, j'ai déjà été comme ça. Maintenant, c'est de la co-création. Est-ce qu'on peut aider d'autres personnes à aider d'autres personnes? On veut emmener ce changement dans le monde-là. Maintenant, on doit sortir de l'isolement, faire chacun nos choses et co-créer et s'entraider. Donc, viens. Je sais que des fois, on fait comme, mais je ne veux pas prendre trop de place. Mais là, je te le dis, viens sur la page, viens coller tes liens. Ceux et celles qui voudront en savoir plus, qu'on a beaucoup de monde de l'Europe qui sont ici aussi. Et il y a du monde du Québec qui veulent te suivre puis qu'éventuellement, ça avancera dans tes retraites. J'en suis convaincu. Bravo, mon ami, pour tout ce que tu fais. Merci, François. Merci. Très inspirant. Puis encore une fois, il y a plein de gens sur les réseaux. Quelle lumière, Stéphanie, c'est exceptionnel. Et vous irez voir. Et la dernière, et non la moindre, avec une très grande patience, mon ami Guylaine. Salut, Guylaine.
Salut François! Est-ce que tu as vibré là, au message que tu as entendu des deux femmes avec nous là? Bien sûr, puis tu sais, on se l'est dit hors d'onde au début, c'est deux personnes que j'admire beaucoup, que j'ai vu évoluer avec José depuis le début aussi. Fanny depuis 874, alors bravo les femmes! Ouais! Et toi, rappelle-moi, Guylaine, tu as fait lequel des resets? 1, 2, 4 et 5. 1, 2, 4 et 5, good, génial! Est-ce qu'il y a une différence entre le 1 et le 5? Ben non, absolument pas. Ah oui, c'est incroyable, là. Puis c'est parfait parce que c'est ça, on évolue avec toi. Donc, le fait de te suivre, ben, même si on entre maintenant, c'est correct aussi. Mais moi, tu sais, j'ai pu voir l'évolution depuis le début. Juste entre le 1 et le 2, il y en avait une grosse. Alors, ouais. J'espère déjà le 6, là. T'sais. Ben oui, ben oui, ben oui. Et moi aussi, même moi, je suis émerveillé par tout ce qui se manifeste et se crée et qui apparaît. Guylaine, toi, tu es enseignante? Oui. Tu prends les enseignements de la pleine conscience, tu les transpires en fait dans ta façon de faire les choses. C'est enseignante en quelle année, toi? Deuxième, troisième année cette année. Wow! Et est-ce que ça se fait, se prendre ces enseignements-là et les partager? Bien, à la base, je pense qu'il faut les vivre. Oui, ça se partage, mais le fait que je les vive, parce que c'est d'abord pour moi que je suis allée les chercher, et ça a tellement changé ma façon de voir la vie que veux pas, ça transpire auprès de mes élèves. Alors, oui, je les amène et c'est incroyable, les changements pour moi, mais les changements aussi pour mes élèves. Là, j'ai des retours de parents, c'est incroyable tout ce qui se passe depuis 2 ans. Là, Ah, j'en suis convaincu, mais tu as tellement touché un bon point. Tu sais, Guylaine, moi, c'est un de mes grands rêves et ça, depuis même Inspire-toi, je crois que les enseignantes et les infirmières font partie des deux rôles les plus importants de notre société et c'est deux systèmes, en fait, qui ne sont pas valorisés. Ils sont laissés beaucoup à eux-mêmes puis qu'ils sont débordés présentement et c'est difficile. Et je crois que, les enseignants présentement, je crois vraiment, ils ont un rôle. Hein? On a tous des enfants pour la majorité d'entre nous qui écoutent ça. Moi, ma fille là, et mon gars sont à l'école et pendant toute la journée, mais ils ont des enseignants qui sont là. Puis bien souvent, les enseignants passent plus de temps que les parents avec les élèves. Donc, est-ce qu'on peut donner de l'espace aux enseignants, un potentiel de comment je vais expliquer ça? De transférer ces données, ces connaissances de pleine conscience-là, mais tu as touché le bon point, c'est que d'abord et avant tout, il faut les intégrer, il faut les vivre. Ça ne s'apprend pas à dire « OK, l'accueil, c'est ça, puis le pardon, c'est ça, puis l'amour, c'est ça ». Il faut le vivre, il faut que le prof l'incarne à l'intérieur de lui et après ça, par ses comportements, son attitude, son énergie, sa compassion, sa tolérance, sa compréhension, sa façon de prendre la hauteur, il va devenir un modèle pour les élèves. C'est un peu ça que tu dis, là, hein? Oui, tout à fait. Puis on est dans un milieu, et j'inclus aussi le milieu de la santé, parce que je pense que ça le touche aussi beaucoup. On est dans des milieux où est-ce que le burn-out est très présent. Et je pense que c'est un... On est des gens passionnés qui veulent aider, qui veulent accompagner, mais on s'oublie soi-même souvent. Et moi, Reset, à la base, c'est ça que c'est venu changer. Moi, j'ai fait une dépression qui n'était pas liée du tout au travail, mais le chemin était tracé, si on peut dire. Hein? Une fois que tu es passé par là, c'est le même principe un peu que le burn-out. Alors, d'année en année, à chaque début d'année, à chaque fin d'étape, les moments plus stressants, à chaque fois que j'avais un parent qui n'était pas satisfait ou une direction avec qui j'étais plus ou moins en accord, il se présentait des moments de découragement. Je ne suis plus bonne, je ne suis plus capable de faire ça, je vais lâcher, je vais faire autre chose, pas ma place. Et pourtant, j'adore enseigner. Là. Je pense vraiment que je suis à ma place. Mais ces moments-là, c'était dramatique pour moi parce que je ne m'étais jamais vue autre chose qu'une enseignante. Et puis, Reset est venu changer ma perception que, ben, premièrement, que c'est toutes les questions de cycle. Donc, comme dans la vie de tous les jours. Et la notion d'accueillir tout ça, puis de y aller un pas à la fois, de faire de mon mieux. Les accords Toltec sont tellement venus m'aider, de faire de mon mieux, de ne pas prendre les choses personnelles. Ça, c'est venu changer ma vie d'enseignante d'abord. Maintenant, là, jamais que je repense d'aller voir mon médecin, je ne dis pas que ça n'arrivera plus jamais. Ça peut arriver encore un burn-out ou des choses comme ça. Mais depuis 2 ans, jamais j'ai pensé d'aller voir mon médecin pour dire, ben là, écoute, j'ai besoin d'un break. Ce que je faisais constamment les années plus tard. Et c'est probablement pas parce que tu n'as pas eu de contraction ou de moments difficiles, c'est juste que tu comprenais ce qui était en train de se passer, c'est ça? Exactement. Puis d'arrêter souvent mon groupe l'année passée. T'sais, j'ai commencé vraiment l'année passée à l'intégrer beaucoup, beaucoup avec les élèves, mais d'abord pour moi, d'arrêter mon groupe en plein cours quand ça ne fonctionnait plus, de dire OK, on va se calmer.
la matière va attendre, puis on va donner la place à l'être humain là, pour transformer mon groupe. Là. Mais oui. Passer d'un groupe, j'ai arrêté de voir les élèves comme un groupe et j'ai commencé à les voir. Je le faisais déjà un peu, mais avec plus de conscience, comme chacun des êtres humains séparés qui vivent leur propre challenge. Ça vient bien moins me chercher moi-même. Là. J'arrêtais de prendre ça personnel. Ouais. Le comportement, il n'était pas contre moi. Il était parce que l'enfant, il avait un besoin. On sait tout ça avec notre tête. Là. Toutes les profs vont dire qu'ils savent ça. Mais là, j'ai appris à l'intégrer, à le vivre comme ça. Pas juste de le savoir, mais de le vivre vraiment. Oui. Et en même temps, Guylaine, tu t'es libérée aussi de certaines blessures et de résistances que tu pouvais avoir. Donc, et tu es venu comprendre la vigilance, en fait, l'observation, la meilleure maîtrise de toi. C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer un autre prof, un parent ou un élève qui va te faire réagir, maintenant, tu as des outils pour garder ton centre et de rester branché sur Guylaine au lieu de réagir à cause que tu portais ces blessures-là. Et oui, tu vas comprendre aussi que ça a sa raison d'être pour venir élever ton niveau de maîtrise. Donc, c'est là que tu dis, il y a plein de monde qui savent que, mais oui, mais combien se maîtrise dans tout ça? Parce que quand on le sait, ce qu'on doit comprendre, c'est quand dans une situation de stress ou de conflit, on retombe toujours au dernier niveau d'entraînement qu'on a. Si on ne s'est jamais entraîné dans un niveau de stress que nos souffrances sont stimulées, on tombe réactif. Comment un prof normal ou l'ancienne Guylaine pourrait réagir quand il est face à des conflits? Bien, moi, à la base, je pense qu'on réagit toujours en fonction de nos blessures. Je porte fortement le rejet et l'abandon. Donc, le fait qu'un élève s'oppose à ma façon d'être, à mon enseignement, je le prenais vraiment personnel et là, j'avais envie de le casser. J'ai jamais été une enseignante qui criait, qui maltraitait, entre guillemets, les élèves, mais en dedans de moi, ça bouillait tout le temps. Tu sais, quand j'arrivais avec un élève opposant ou un parent qui n'était pas d'accord avec moi, il y avait deux choses. J'avais envie vraiment de m'imposer, mais il y avait un côté de moi qui s'écrasait et qui disait, ben OK, on va... J'avais envie de prendre la fuite, en quelque part. Là, ouais. C'est trop dur, alors je ne suis pas bonne. Tu sais, j'avais tout le temps ce fameux discours-là qui revenait toujours me taper. J'étais à côté de la traque. Les autres sont meilleurs, probablement. Ils ne vivent pas ça. Les autres sont meilleurs, puis ils n'ont pas l'air à s'en faire, ça? La comparaison était très forte, évidemment. Là. C'est, puis, tu sais, on est chacune dans nos classes, on partage, mais c'est rare qu'on... Tu sais, on va partager des cas d'élèves. Lui, il n'est pas facile, tout ça. Mais de là à partager nous autres comment on se sent, ce n'est pas quelque chose qu'on partage tant que ça en tant qu'enseignant. Ouais. Donc, on se compare, mais sans savoir, dans le fond, ce que vit l'autre. Donc, peut-être qu'il vit la même chose, mais on pense que lui ou elle, ça va super bien, puis que lui, sa classe est à l'ordre, puis ça écoute. Mais en dedans de la personne, ça ne veut pas dire que c'est comme ça. Alors, c'est venu chercher, Reset est venu changer cet aspect-là de moi qui, dans le fond, je suis restée dans mon vécu à moi au lieu de me comparer avec les autres, ouais. De sentir moins bonne ou de... Et est-ce que tu peux dire que tu es une meilleure prof aujourd'hui? Ben, je le crois sincèrement. Ouais. Oui, j'avais la compétence au niveau pédagogique de passer mes choses, tout ça, mais le lien avec les élèves, c'est vraiment différent. Puis écoute, j'ai tellement, depuis que je travaille la pleine conscience, parce que là, à cet âge, je la rentre vraiment dans mon enseignement. Tu sais, je vois ton livre, Reconnecte avec toi. Avec toi, oui. Écoute, moi, ça fait partie de mon matériel de base en classe. Oui. L'année passée. Tu sais, mes élèves, une 2 et 3. L'année passée, j'avais une 1 et 2. Donc, j'ai une partie de mes élèves qui m'ont suivi cette année. Et dès la première journée, tu sais, la première journée d'école, c'est la fébrilité, les élèves sont... Et j'ai un petit garçon que j'avais l'année passée qui est venu me voir et dit, « Madame Guylaine, est-ce qu'on peut faire une respiration? » Parce que pour calmer ceux qui sont nouveaux, qui ne me connaissent pas, puis qui... C'est normal, là, on est en début d'année. Alors, tu sais, ces enseignements-là, les enfants, ils viennent les boivent, là. C'est tellement... tout change, j'entends ça constamment. Un petit wow! Garçon. Oui, écoute, François, l'année passée... La bouteille d'eau, est-ce que tu as déjà joué à ça? Ah oui, l'année passée. Il y a 2 ans, en fait. Il y a 2 ans, j'ai commencé il y a 2 ans à peu près avec mon autre classe d'il y a 2 ans. À la fin de l'année, ils sont partis. Je n'avais pas des bouteilles, mais avec un verre, justement, sur lequel j'avais écrit « Je m'aime et je suis fière de moi ». C'était les premières choses que j'ai introduites avec la respiration et le tout change. Wow. Dans ton livre, c'est génial.
Tu vois, l'année passée, j'ai un petit garçon, et ça, c'est vraiment des choses qui viennent me toucher. J'ai un petit garçon qui il raconte toujours les élèves leur fin de semaine le lundi matin. Garçon de première année qui me dit « Madame Guylaine, moi, fin de semaine, mon petit frère, il a fait une crise, puis je voulais parler avec un petit frère de 2 ans à peu près. Je voulais parler avec ma maman, puis je ne pouvais pas parce que mon petit frère, il faisait une crise, puis là, j'avais envie de frapper mon petit frère. Mais j'ai décidé de respirer à place. Puis ça a passé. » Tu vois l'impact qu'on a dans notre société, les enseignants. Oui. C'est énorme. Tu sais, souvent, on va dire, faut que le système d'éducation change, Non, il faut que nos profs changent. Il faut que nous, on change. Il faut que toi, tu regardes cette vidéo-là, tu changes. Parce que quand toi, tu vas te changer, tu vas te retrouver, tu vas recontacter avec ta lumière, le monde autour de toi va se transformer. Donc, quand on dit, il faut que ça change, on ne prend pas notre responsabilité. On est en train de pointer les autres, mais la réalité, c'est que c'est à l'intérieur de nous. Guylaine, ce que tu es en train de vivre, tu es en train de nous démontrer que tu t'es changé. Je t'ai demandé, es-tu une meilleure prof? Tu as dit oui, mais je suis persuadée que tu es une meilleure maman et tu es une meilleure personne, viscéralement. Je suis quelqu'un qui est beaucoup plus heureuse dans sa vie aussi, qui ça rayonne. Écoute, je manifeste des choses merveilleuses de plus en plus. Tu sais, j'avais déjà un cheminement de fait au niveau de pleine conscience ou peu importe, de développement personnel avant Reset, sauf que de l'intégrer à ce point-là, de l'appliquer dans ma vie de tous les jours et dans mon travail, je ne le faisais pas. Tu sais, j'avais les connaissances, mais l'application ne se faisait pas. Maintenant, c'est fou, là. D'un Reset à l'autre, j'évolue, puis je ne suis plus du tout la même personne. Ouais. Et moi, de mon côté, mais quand on enseigne dans le Reset, je dis à tout le monde, vous pouvez prendre les enseignements, vous pouvez les partager. Le but, c'est pas dire, voici les enseignements de François Lemay. Il y a des choses qui ont juste passé à travers moi. Et il y a des choses, des fois, je vais partir de qu'est-ce que Lise Bourbeau pouvait avoir enseigné, exemple des blessures. Il y a plein de choses qui ont passé tout simplement à travers moi, mais je vais dire, c'est pas à moi, ça m'appartient pas. Le but, c'est d'emmener le changement qu'on veut voir dans le monde. Moi, je suis un grand rêveur. J'ai développé une famille, une communauté, une tribu de grands rêveurs qui emmènent ce changement-là. Guylaine, est-ce qu'il y a de la résistance dans ce changement de conscience-là dans le système de l'éducation? Bien, je te dirais, François, que ça commence... Tu sais, on se serait parlé il y a 2 ans, j'aurais dit, « Oh, je fais attention, tu sais, je fais mes petites affaires tranquilles dans mon coin, j'en parle pas trop. » Cette année, à mon école, on a, à ma demande, mais ça a été très bien accueilli, on a un comité bienveillance. Donc, j'ai Yannick Fréchette, entre autres, qui s'en vient bientôt à mon école. Alors, tu sais, c'est des choses qui vont vraiment, qui évoluent dans ce sens-là. Je pense vraiment proposer des ateliers de pleine conscience sur l'heure du dîner. Là, il faut que j'allie ça avec mon travail d'enseignante. Là, j'essaie de trouver un trou dans mon horaire. J'adorerais ça. C'est accueilli de plus en plus. Les gens, je pense que les enseignantes me voient aller, pas nécessairement mes collègues de l'école nécessairement seulement, mais on a des amis partout dans le réseau. Et à la fin de 8-7-1, on a parti un groupe avec Linda Charon qui m'a aidée au niveau technique. On a parti le groupe Semeur de conscience. Ouais. Qui faisait un peu un lien avec ton ancien leader de conscience, mais c'est ça. Donc, on est parti une gang de Reset, mais là, ça prend de l'expansion depuis septembre. C'est fou. Le nombre des collègues de ma commission scolaire, mais aussi d'un peu partout qui viennent nous rejoindre sur ce groupe-là. C'est un groupe de partage. On n'a pas encore pris notre envol, mais je sens que ça s'en vient. Là. Je pense qu'il y a vraiment une demande. Tu sais, les gens sont rendus là en éducation, comme partout ailleurs. Moi, j'ai des parents qui m'arrivent au bulletin. C'est quoi le livre dont tu leur parles? Tu as fait des ventes là, dans ma classe. À Noël, là, il y a eu des cadeaux de Noël de te reconnecter avec toi. On a fait des ventes, mais on a rejoint des gens. C'est ça le but. C'est pas de faire des ventes, effectivement. Rejoindre des gens et d'éveiller ces consciences-là. Tu as raison. C'est ça merveilleux. Là. Tu sais, quand les parents ils viennent me voir et disent « C'est quoi le livre? » Parce que mon enfant, il m'en parle et ça lui fait du bien. Ouais. J'ai des enfants qui font de la cohérence cardiaque chez eux là, qui disent « Maman, je leur dis, là, je vais mettre une respiration. » J'ai une petite fille, l'autre fois, elle dit « Ma mère était vraiment fâchée. » Je pense après son frère ou je ne sais plus. J'ai ouvert ma tablette et j'ai dit « Garde, maman, respire. » J'ai dit « Est-ce que ça l'a calmé? » Oui, ça lui a fait du bien. Mais les enfants, ils enseignent aux parents. Là. Ouais. Mais c'est génial. C'est très inspirant ce que tu nous partages, Guylaine. Puis
dans Reset et Ubuntu, il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup d'enseignants qui ont envie d'emmener ce changement-là. Mais des fois, on se sent sans ressources. Des fois, on se sent sans ressources, on est mentalement fatigué. On a l'impression que c'est David comme contre Goliath parce que le système, il est tellement gros. Mais en même temps, la résistance, elle est essentielle. Et c'est ça que Reset va venir nous enseigner aussi, à prendre de la hauteur et de comprendre que la résistance, avant d'arriver à naître ici, bien, on a passé hein, dans le petit trou à maman, hein, quand on est arrivé à la naissance, et on a passé par la résistance, puis on a grandi, puis on a vécu plein de résistances. Puis après chaque résistance, il y a une expansion qui va être là. Et comme l'avion qui a besoin de décoller, elle a besoin de résistance pour décoller. Mais un changement, un shift qu'on est en train de faire dans la conscience, c'est en train de bouger à vitesse grand V. Là. Tu l'as dit dans les deux dernières années, mais dans les trois prochaines années, on est ailleurs, grâce à des gens comme toi. Mais la résistance, elle est essentielle dans toutes les sphères de notre vie, la gang. Dans tout. Pour pouvoir que le surfeur surfe sur la vague, il va falloir qu'il y ait une résistance. Elle est essentielle pour, au travers de tout ça. Et les profs, la beauté que vous avez, c'est que l'enfant, il a son système, il est dans sa systémique avec maman, papa, son frère, sa soeur, ses cousines, ses amis. Guylaine, elle a la même chose, mais quand Guylaine, elle arrive à l'école, elle vient se connecter avec un autre système. Et si elle est en conscience, puis elle amène son amour, son énergie, son transfert, son partage, sa présence, une meilleure éducation, le petit bonhomme, il retourne dans un autre système et il vient aider papa, maman à se purifier. Parce que ce n'est pas toujours de maman que vont venir les enseignements, mais bien souvent, ça va venir des enfants vers les parents. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Guylaine? Oui, tout à fait. C'est vraiment les élèves qui enseignent aux parents. Là. C'est incroyable. Là. J'ai l'impression que par mon enseignement, par ces enseignements-là, je change la vie de certaines familles. Là. C'est sûr. J'ai pas juste l'impression, on me le dit, là, ça change des choses dans la dynamique familiale. Donc, c'est génial. Là, tu changes le monde par qui tu es. Oui, carrément. Puis c'est ce que j'aimerais dire aux enseignantes ou à tous les intervenants qui sont en lien avec l'être humain, que ce soit en santé, en éducation, peu importe. C'est d'abord en changeant soi-même, tu l'as très bien dit tantôt, mais investissez en vous d'abord. Parce que souvent, on nous donne tellement de formations, puis c'est tout intéressant, là, peu importe le domaine, on a des formations, on en a là, à l'année en éducation, entre autres. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire, puis c'est tout le temps vu comme un surplus parce qu'on a déjà tout ce qu'on a enseigné. Ça, ce n'est pas un surplus, c'est une façon de vivre. Ça vient de notre vie personnelle et après ça, bien, ça s'intègre facilement dans notre travail d'enseignante. Alors, exact. C'est différent. C'est une classe à part, là, la pleine conscience. Là, Bien, bravo. Bravo, Guylaine. Tu es très inspirante. Puis, les profs, vous êtes super importants dans notre système. Mais d'abord et avant tout, il faut tourner notre regard vers soi pour apprendre à... Il y a de la pression, il faut sortir de la pression, il faut comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et il faut ramener un sens à tout ce que l'on fait aussi. Parce que quand on a choisi peut-être ce métier d'enseignant-là, peu importe qu'on prenne des enseignants ou un autre, on le fait pour un sens à un moment donné. Et quand on finit par se perdre avec des valeurs qui n'ont plus de sens, qu'on est pris dans un système... Mais profondément, on perd le sens de qu'est-ce qu'on fait. On perd les étoiles dans les yeux, on perd la vitalité. On tombe en contact avec nos blessures, nos résistances, puis on devient réactif. En fait, on n'est pas qui on voudrait vraiment être. Et là, c'est le début d'un monde de souffrance. Mais tout ça a sa raison d'être aussi dans la reconnexion du prof, en fait. Donc, Guylaine, très inspirante, tu changes le monde par qui tu es. José, tu changes le monde par qui tu es. Très inspirante, mon ami, honnêtement. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas de mots de vous voir grandir parce que c'est pas je fais une entrevue avec Guylaine que je sais qui est dans le domaine de l'école. Non, je l'ai vu grandir. Tous ceux et celles que je vous présente, 100% des gens que je vous présente, la gang, là, je les ai vus pleurer. C'est simple, là. Je les ai toutes vus pleurer. Je les ai toutes vues à quelque part m'emmener en résistance. Je les ai toutes vues. Mais je les ai toutes vues avec des étoiles dans les yeux. Et aujourd'hui, de vous voir, pour moi, c'est comme, j'ai pas l'impression de « voici mes élèves », mais j'ai plutôt l'impression de « voici ma gang ». Plutôt comme ça. « Voici ma gang ». Il y en a qui sont là, puis on n'est pas plus parvenus. Tout simplement par notre exemple. On est, hein, comme hier disait Hugo, la phrase de Gandhi, notre vie, c'est un message au monde entier.
José, la transformation que tu fais, marcher dans tes peurs, la libération que tu fais, et encore, tu inspires notre gang de Reset, mais là, tu inspires de plus en plus de monde autour de toi. Stéphanie, en faisant la paix avec ton passé, avec le petit Gabriel, puis là, aujourd'hui, tout ce que tu es en train de créer et faire un acte de foi, oh, tu es une source d'inspiration pour plein de personnes. Et Guylaine, dans le domaine scolaire, et pas juste ça, comme maman et tout, vous êtes toutes une source d'inspiration. Et pour ça, j'ai énormément de reconnaissance pour vous. Et vous savez, on est tous dans Ubuntu, hein? Je suis parce que nous sommes prend du sens là, plus que jamais. On est beau, là. On est vraiment beau. Et ce but de ces entrevues-là aussi, ce que ça fait, je le vois dans les messages qu'on reçoit après. C'est la troisième entrevue que l'on fait. C'est que ça démontre aux gens qu'il y a un changement de conscience qui est en train de se faire. Pas un gars qui vend des programmes. Parce que quand on fait ça, c'est comme, ah, il y en a un qui vend des programmes, ça fonctionne, mais t'as peur. Non, achète pas, c'est pas grave. Mais viens voir à quel point que le monde est en transformation. Le monde est littéralement en train de se transformer. Ça s'est transformé dans les dernières années, mais dans les années à venir, ça va être comme encore plus grand grâce à nous tous. Merci les filles. Merci les filles. En un mot, qu'est-ce que vous auriez à dire en un mot à la personne qui hésite en disant « Est-ce que je joins la famille Reset? » José, qu'est-ce que tu dirais en un mot vous deux là? Moi, c'est gratitude. Gratitude, j'ai le cœur grand de même. Ah! Si ça vous parle, allez-y, les amis. Allez-y. Good, génial. Merci, José. Guylaine, toi? Ça change une vie. Good! Merci, Guylaine. Stéphanie? Moi, je dirais, voilà, si ça vibre à l'intérieur de vous, dans votre cœur, allez-y, parce que, ben oui, on se transforme, on change des vies, on change notre vie, on change la vie des gens autour de nous. Et on change le monde. Donc, si ça vibre, c'est que c'est le bon chemin. Voilà, et voilà. Et les amis, si vous avez aimé le message qu'ils vous ont partagé, s'ils vous ont fait vibrer, faites juste un petit commentaire dans les témoignages parce que c'est clair qu'ils vont aller lire les témoignages qu'il y a eu sur les vidéos. Des fois, ça fait un bon mot au cœur de savoir qu'on a eu un impact pour quelqu'un. Donc, juste un petit mot, des fois, c'est simple, hein? Des fois, un petit mot fait le bonheur de quelqu'un durant toute la journée. Donc, un mot d'encouragement, quoi que ce soit, ça te fera plaisir. Donc, si jamais vous avez un intérêt, juste au-dessus de la vidéo, j'ai mis les liens pour s'inscrire à Reset. J'ai mis les liens pour questions-réponses. Si jamais vous avez besoin d'avoir plus de détails sur Reset, j'ai fait une vidéo au travers de tout ça. Et j'ai aussi mis un lien pour toutes les entrevues. Donc, à nous, on se revoit demain matin à 10h, heure du Québec, 16h, heure de Paris. Vous allez pouvoir les revoir en rediffusion. J'ai trois nouvelles personnes à vous présenter. Merci énormément de toute votre attention. C'est François Lemay qui vous dit, qu'est-ce qu'on dit la gang à la fin quand je termine, vous le faites avec moi, OK? C'est François Lemay qui vous dit, je vous aime, je vous adore. Au revoir, à bientôt. Bye ma belle gang.